d'amour, passion, sensation. Nous souvent
passe maintenant l'espoir. Rien plus rien ne sera plus pareil. Bonjour Marie. Bonjour. Je m'appelle Martin. Salut Martin. Bienvenue parmi les souverains anonymes. On est content de te recevoir aujourd'hui. Tu es écrivaine, tu es journaliste, tu as été enseignante. J'ai lu que tu avais écrit certaines biographies, plusieurs romans. Mm-hmm. Et la dernière biographie que tu as écrite est celle d'un monument au Québec, Vic Vogel. Oui. Un homme de jazz, un homme de passion, un homme de carrière. Il est venu ici. Au souverain anonyme. Oui, il y a 20 ans. Une vingtaine d'années, oui. Et puis, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là, heureusement, étant donné les circonstances de la prison. Il a laissé un souvenir mémorable ici, on m'en a parlé. Aujourd'hui, c'est la maladie qui l'a empêché de se déplacer parmi nous. Donc, merci d'être son porte-parole. Oh, c'est un plaisir. J'ai eu le plaisir de lire ton livre depuis les deux dernières semaines. En prison, la lecture, c'est un voyage, c'est une belle évasion. Mais dans la biographie de Vic Vogel, ça a été un réel plaisir d'apprendre à connaître cet homme de passion, cet homme de musique, cet homme qui a connu, comme nous, des hauts, très hauts, et puis des bas. Très bas. Entre autres, quand on parle de l'ouverture de l'Expo 67, c'est pas banal. De travailler sur l'ouverture des Jeux olympiques aussi, c'est pas banal non plus. Il est parmi les instigateurs du Festival de jazz de Montréal, mais il a eu à composer avec plusieurs emplois aussi dans les années 40, à composer ou à jouer dans les boîtes de nuit, ce qui était pas mal harassant. À la lecture du livre, que l'on lit comme un roman d'ailleurs, on s'imagine facilement que tu as eu à être au fait de ses confidences les plus intimes, les plus profondes. C'est un homme de cœur, c'est un homme de passion. Puis avec le métier que tu exerces, je présume que tu dois concilier avec cette passion-là. Toi qui as travaillé 3 ans auprès de Vic Vogel, dans son intimité, est-ce qu'on ne devient pas un peu amoureuse? Oui, c'est forcé qu'on finit par aimer son personnage, ou du moins on l'aime au départ. Moi, j'aimais Vic au départ. J'ai fait ça pour lui, pour l'ami qu'on a en commun, qui m'a demandé de faire ça. Et Vic est tellement sympathique, tellement authentique, tellement vrai, qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. Quand il est amené à dire sa vérité, à s'exprimer calmement, comme ça, dans l'intimité, on avait des conversations comme ça, on était assis comme ça pendant des années. C'est certain qu'une personne se livre. Alors, il s'est livré. Et puis moi, j'ai une tendance à poser des questions pour avoir mes réponses. Alors, je reviens à la charge. Puis finalement, il m'a beaucoup donné, beaucoup. J'imagine. Oui. Sous question à la première, on perçoit facilement dans la lecture de la biographie que c'est un homme de tempérament. Oui. Qui ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense ou ce qui est généré par sa passion. Est-ce que vous avez eu des quiproquos, des malentendus? Non. Non? Non, non, parce que c'était clair. Vic a été très, très clair avec moi dès le départ. J'ai été très, très clair avec lui aussi, au sens où je lui ai dit, écoute, je vais t'écouter pendant je ne sais pas combien de temps. Après ça, je vais écrire un livre. Tu me permets de le faire. On me demande de le faire. Mais je vais écrire ce que je pense. Alors, il m'a dit, oui, c'est certain. C'est ta cuisine. Tu la fais comme tu veux. Alors, il m'a donné une liberté totale d'écrire ce que je pensais vraiment de lui. Et ça... C'est un cadeau, c'est rare parce que la personne est vivante. Quand vous avez un personnage qui est mort depuis quelques années, ben, vous pouvez avoir le mot de la fin. Tandis qu'avec Vic, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Vic. Hein? Toute chose peut se passer avec lui. Donc, c'était le côté libre. Il n'y avait pas de mésentente. Non.
Il y avait des questions qui, pour lui, étaient peut-être plus difficiles ou moins agréables, parce que c'est quelqu'un qui... qui aime pas la psychologie, mais moi, j'aime surtout qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pour savoir pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il a fait tel choix, pourquoi il a échoué à tel moment, pourquoi il a réussi à d'autres. Je fais de la littérature, mais je fais aussi beaucoup d'analyse du cœur, de l'âme. C'est ça qui m'intéresse. Vic peut donner ça, il a donné ça, mais il y a une pudeur dans sa grande provocation. C'est quelqu'un qui reste pudique quand même. Est-ce que cette pudeur-là n'est pas un peu dictée par sa passion, justement, étant un homme de démesure? Le jazz en soi est une musique de démesure. Est-ce que cette passion-là ne l'amène pas à vivre cette démesure-là? Bien, c'est-à-dire que oui, il y a une démesure, c'est-à-dire qu'il y a un élan où il y a un truc qui se déploie parce que c'est de la musique à grand déploiement, le big band. Mais aussi, Vic, c'est un lion, hein? Son signe astrologique, c'est un lion. Et puis, c'est quelqu'un, on le voit dans l'enfance, quand vous lisez l'enfance, qui est venu après un frère aîné, très, très vite après un frère aîné, Franck, qui vite, lui, le frère aîné, a été malade. Alors, Vic, c'est celui qui tout à coup se retrouve avec un frère qui est presque un jumeau, qui n'est pas bien. Alors lui, il va être le plus fort, le plus turbulent, pas le plus négligé, mais quelque part, oui, par ses parents. Parce que ses parents sont plus concernés ou plus inquiets pour le frère aîné. Alors le petit Vic a plus de liberté. Et ça va travailler son caractère, sa nature, qui est déjà une nature très libre. Et on voit que même à la naissance, a été abandonné 2 semaines dans un hôpital pour une question d'argent. Vous venez de naître, vous n'êtes pas avec vos parents. Ça peut arriver, ça arrive à beaucoup de gens, mais il y a plein de gens qui ne vivent pas ça non plus. Alors, comme je dis, tout de suite dans sa vie, comme si c'était un destin, la vie, Vic a été convoqué à l'aventure, l'inconnu. Une sorte de coupe, de séparation avec quelque chose qui serait le cocon ou la protection, ou etc. Il l'a vite retrouvé, mais ça lui a permis d'être très vite convoqué à lui-même. Et c'est ça qui fait qu'il a une personnalité aussi très, très, très forte. Oui, parce que l'amour n'a pas manqué dans son enfance. Il était admiré par son père. Sa créativité était mise en évidence. Oui, mais c'était difficile en même temps, parce que le père était dur avec lui. Souvenez-vous de l'époque où lui dit « t'as pas le droit de toucher au piano ». Alors, il y avait une espèce de contrariété systématique dans la vie de Vic qui faisait qu'il était obligé de se dépasser. Alors, je pense que son père était très, très, très psychologue, peut-être intuitivement, et puis il lui a mis des bâtons dans les roues pour qu'il puisse... quand vous ne pouvez pas faire les choses, c'est là que vous les faites, non? C'est fait. Alors, ça, Vic, il l'a appris à ses dépens et pour lui-même. Ça a été très difficile, sa carrière. Elle a été très belle. Il y a une très grande réussite chez Vic. Mais en même temps, le chemin a toujours été chaotique, a toujours été difficile. Et c'est un survivant. C'est un battant. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est amoureux de son personnage, ouais, quand on voit ça. Je m'en permets une dernière. Est-ce qu'il a senti son accomplissement dans le déploiement de son œuvre? Ou est-ce qu'il n'a pas éternellement eu ou ressenti le besoin de performer davantage, d'offrir davantage, puisque, bon, il se présentait chez les enseignants de piano, on lui refusait l'enseignement. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on lui a offert un doctorat honoris causa à Concordia, je crois. Oui. Et puis, est-ce que ça ne l'a pas amené à toujours vouloir se dépasser et en donner plus? Mais au début, oui, dans son enfance, du fait que lui était c'était pas un immigrant, c'était un fils d'immigrant. Oui. À une époque, il y a déjà longtemps, puisque Vic a 78 ans, oui, où les communautés ethniques étaient très intégrées, mais pas forcément très acceptées par un pseudo-establishment de Montréal. Oui. Alors, le fils d'immigrant qui parlait plus ou moins bien français, hein? Pourquoi on lui aurait permis d'aller à l'école et puis de s'instruire et tout ça? Ça a été une frustration très grande pour Vic, qui l'a obligé à comprendre que, OK, je suis différent, c'est quoi l'idée, là? Moi, j'ai pas le droit de... Et ça l'a frustré au début. Mais après, comme le talent était là et qu'il pouvait le déployer et qu'il y avait son caractère derrière,
oui, il a toujours performé. Mais en même temps, il y a une sérénité dans sa vie, il y a un calme parce qu'il s'est accompli et il le sait. Et Vic sait parfaitement ce qu'il vaut. Alors, il est capable de dealer avec la frustration, la contrariété, l'injustice, parce qu'il y en a eu dans sa vie de l'injustice. Il reconnaît aussi que par moments, il a été très chiant. Donc, c'est quelqu'un de très équilibré, finalement. Alors, comme il dit aujourd'hui, oui, oui, une certaine gloire, mais pas une scène. Alors, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est lancé. Merci. Bonjour Marie, bienvenue parmi nous aux Souverains Anonymes. C'est un honneur pour moi de recevoir une auteure. Ben, je vais te faire une confession pour commencer. Je n'ai jamais été un grand lecteur, mais j'étais le premier à lire ton livre. Mohamed, quand il l'avait ramené, il me l'a prêté. Et bon, voilà, j'ai lu le livre. Je n'étais pas trop un lecteur déjà. En plus, une biographie, ça ne me disait pas grand-chose. Mais comme il n'y a rien à faire, ben, j'ai dit je vais le lire. Mais je me suis surpris à aimer, la lecture et à voir que... comment je pourrais t'expliquer que c'était pas juste une biographie, mais aussi comme un roman ou une histoire racontée. En fait, c'est la tête avec Vogel qui est sur la page couverture, mais ça aurait pu être un titre, peu importe lequel, sur l'histoire d'un homme, quoi. Fait que j'ai appris beaucoup de choses en lisant son livre. J'ai remarqué que lui, c'était quand même un oiseau de nuit qui a fréquenté même le chef de la mafia dans les années 50, 60 et tout ça. Alors, il était aussi mêlé un peu au monde interlope, au monde de la nuit. Ce qui fait que j'imagine le personnage que ça doit donner. Il doit connaître beaucoup de gens et être aimé de beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans tout le récit de sa vie, en fait, c'est son enfance. J'ai trouvé qu'il a eu une enfance très légère, une enfance d'insouciance qu'on ne retrouve plus maintenant chez les enfants. C'est vrai. Même moi, quand j'étais plus jeune, il y avait quand même une certaine liberté, mais qui est moins présente aujourd'hui, mais que quand, en lisant son livre, en voyant que dans ces années-là, un enfant était vraiment un enfant... Ils étaient pauvres, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient pauvres. Il n'y avait pas de classe sociale, il n'y avait pas de choses pour les différencier. Quoi. En fait, ils vivaient leur vie d'enfant comme il se doit. Tout ça, ça m'a rapporté à voir que c'est son père qui lui a donné quand même la chance de s'exprimer et de devenir ce qu'il est en amenant à la maison une radio, un piano et tout ça. Mm-hmm. Alors, je me suis dit que son père a dû être quelqu'un de vraiment... j'ai ressenti son père un personnage, quand même, on peut dire, un père aimant et doux et voué à ses enfants. Je ne sais pas si tu peux me corriger si je me trompe, mais c'est... C'est le feeling que j'ai eu en lisant ton livre. Ben, j'apprécie beaucoup tout ce que tu m'en dis parce que c'est vraiment formidable. Quelle lecture juste tu as faite. Oui, son père, c'est un personnage plus grand que nature. Je ne crois pas que c'était le cas de tous les enfants des années 40 qui avaient une enfance aussi protégée et libre, parce que c'est ça qu'il lui a donné, c'est la liberté. La liberté de se découvrir lui-même. Ça, c'était formidable pour Vic. Mais il y avait toute une partie de la société à l'époque que c'était pas comme ça du tout, parce qu'on marchait selon des principes religieux ou moraux ou autres qui faisaient qu'on était aussi un peu coincé dans la plupart des familles, là. Vic est quand même un marginal. Les Vogels sont quand même des marginaux, à mon avis, dans un tissu social tel qu'on l'a décrit. Mais en effet, Vic a eu le bonheur de vivre son enfance. Et ça, aujourd'hui, à bientôt 80 ans, il va le dire souvent. C'est qu'aujourd'hui, les enfants... Qu'est-ce qu'ils ont comme enfance? Ils ont, je ne sais pas quoi, l'iPod, je ne sais pas comment. L'enfance est volée par l'adulte, en fait. Ouais. C'est, ouais. Et les classes sociales, ils se mettent des... Ils se qualifient, plus qu'ils se codifient qui est le meilleur, qui est le plus riche, qui a les plus beaux ci, les plus beaux ça, oui. Tandis qu'ils ne sont pas allés jouer dehors. Ou... Même dehors, c'est dangereux maintenant, sortir les enfants, tu ne sais pas s'ils vont revenir et tout ça. Ce qui fait que, ouais, voilà, j'ai trouvé qu'il y a eu une belle enfance et puis j'ai trouvé que son père avait été, c'est ça, un homme et un père bon pour lui. Moi aussi, qui a un enfant, en lisant tout ça, ben,
ça m'a comme donné un exemple pour moi, puis de dire, voilà, il faut laisser les enfants vivre leur enfance, et il faut les laisser s'exprimer et les laisser être des enfants avant tout, parce que c'est la plus belle, c'est le plus beau passage de la vie, c'est l'enfance. Oui. Alors, c'est ça. Et puis, je me demandais si tu crois que sans son père, Vic aurait pu se rendre où est-ce qu'il s'est rendu maintenant? Bonne question. Je suis certaine que son père a beaucoup, beaucoup influencé son destin. Mais ce qui était important de voir avec Matthias Vogel, c'est que lui-même était lui-même. Hein? Lui-même était un survivant, un immigrant. Il était parti de sa Hongrie à 20 ans, seul, laissé tous les siens derrière. Il les a jamais revus. Et puis, il y avait toute sa vie à lui que je n'ai pas racontée en détail non plus. Donc, lui, le père, voulait vivre. Il vivait. Parce qu'il vivait, il laissait les autres vivre. Mais Vic te dirait aujourd'hui, avec ton enfant, mais écoute-le pour savoir qui il est. Amène-le dehors. Hors ordinateur, hors écran. Moi, j'ai une amie qui a deux adolescents, et puis de temps en temps, elle sort de chez elle, puis elle dit, là, je vais vous expliquer, là, ça, c'est le ciel, ça, c'est des nuages. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est ça. C'est que comment on peut s'ouvrir au monde quand on est comme ça? C'est impossible. Impossible, non. C'est impossible. Et ça crée une espèce de truc... De prison, quoi. De prison, complètement fermée, complètement autiste. On a pas besoin de ça, parce que on doit s'entendre. Et Vic a compris ça, par exemple. Vic, c'est quelqu'un qui a toujours transmis, qui a toujours été généreux. N'importe qui veut faire de la musique, ça c'est écrit dans le livre, qui veut apprendre n'importe quoi, il dit, Marie, s'il faut que je lui enseigne dans un trou, dans une ruelle, je vais le faire. J'ai pas besoin d'être à l'université avec les grands diplômes et tout ça, et le gros poste et les grosses subventions pour le faire. Ce qui veut dire que ce qu'on sait, on doit le transmettre sans l'imposer. Exactement. Alors, l'enfant, il faut qu'il vienne à toi. Exactement. Il faut qu'il puisse savoir qu'il peut se dire devant toi. Toi, tu ne le juges pas. Lui, il ne te juge pas. Et puis ça, après, il y a un respect qui s'installe. Ça, c'est ça le mot, finalement. C'est le respect. Entre le père disait à Vic, j'ai ma vie, tu me fous la paix. Mais moi, je te fous la paix aussi. Je pense que c'est ça un petit peu qui s'est passé. Puis aussi, dans ton livre, on a pu lire qu'il y a eu un enfant, Vic. Oui. Est-ce qu'il a répété qu'est-ce qu'il a reçu de son père avec son propre enfant, selon toi? Ou si est-ce qu'il a été le père qu'il a été le père pour son enfant, le père qu'il a eu, en fait? Non, je ne crois pas qu'il ait été ça parce que, premièrement, Vic adore sa fille, il adore son fils adoptif, il les adore. Il adore les enfants, ça c'est clair, il les aime, il a sa photo toujours dans le portefeuille, etc. Sauf que quand il y a eu ses enfants, en même temps, c'était le déploiement de sa carrière et c'était un moment où on lui a demandé de travailler énormément, énormément, énormément. Alors, il pouvait faire des émissions à la radio, à la télé, dans la même journée. Le soir, performer sur une scène de cabaret ou de bar ou de salle de spectacle. Et après, vite, 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 écrire pour l'Expo 67 ou les Jeux olympiques. Où il était complètement absorbé par son travail. Son travail était un travail de nuit, c'est-à-dire bar, restaurant, club, etc. Elle est où, la vie de famille? Ouais, c'est ça. C'est sûr que la vie de famille en a pâti. Mais, et que Vic trouvait ça dur, et puis qu'il trouve ça dur probablement aujourd'hui. Mais c'est certain que c'était pas du tout le même genre d'enfance, à part les moments où il pouvait se consacrer à ses enfants. Et là, il était complètement là. Complètement là. Ouais. Ah, ben c'est bien ça. Ben je te remercie beaucoup de toutes ces précisions sur ton livre. Moi, je serai une star bientôt, alors si tu veux okay. faire ma biographie, ben pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Salut, merci beaucoup, bonne chance. Bonjour Marie. Salut. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Premièrement, je veux vous féliciter pour votre carrière qui n'est pas terminée. Dans le livre de Vic Vogel, on constate, malgré sa notoriété, malgré ses succès, des grands événements, puis de nombreuses compositions, qu'il a souvent été humilié. Mon témoignage va être alentour de ça, l'humiliation.
Il a été marginalisé, un peu comme moi. Ils l'ont considéré comme un musicien de seconde classe. Comme par exemple à Terrebonne, où il y a une dame qui gérait une salle, qui lui a refusé de jouer sur le piano à queue, disant que c'était pour la musique sérieuse seulement. Tu sais. Est-ce que Vic Vogel sera apprécié à sa juste valeur seulement qu'à sa mort? Comment dire, Mathieu? C'est difficile à dire parce qu'on ne connaît jamais l'avenir. Hein? Mais ce qui est vrai, c'est que les vrais qui sont autour de lui savent qui il est. Alors lui, c'est de ça qu'il se nourrit. Les gens qu'il critique, les gens qui lui en veulent, parce que comme dit très bien Vic, eux n'ont pas le talent ou sont envieux de lui, de sa liberté surtout. Parce que ce qu'on reproche le plus à Vic, c'est sa liberté, c'est son non-conformisme, c'est sa façon à lui unique de faire le jazz qu'il fait sans se référer à personne. Alors ça, ça suscite des comportements mesquins de la part de gens mesquins. Mais les gens qui ont du cœur, ils reconnaissent Vic. Et c'est ça, ils s'accrochent à ça. Alors je pense que Vic est quelqu'un de très lucide. Il sait très bien que ça peut s'arrêter comme ça. Et puis que qui va s'en souvenir? Mais moi, ce que je pense, c'est que quand on aime quelqu'un, on lui donne vie. Alors tous ces musiciens, par exemple, ils lui vouent un culte, ils ont une admiration pour lui, ils ont un amour pour lui. Ils vont transmettre ça. Alors oui, underground, Vic va avoir une vie après la mort. Ça, c'est certain. Maintenant, la reconnaissance auprès des instances qui décident de je sais pas quoi, je pense qu'il n'y en a rien à foutre. C'est ça. C'est ça. Non, c'est que lui, il a fait son truc, il va le faire jusqu'à son dernier souffle, et qui m'aime me suit, et qui m'aime pas, dégage. Ça, c'est la belle grande leçon de Vic, que moi, m'a fait beaucoup de bien aussi. C'est le fun d'entendre ça, parce que dans le fond, moi, c'est comme ça que je pense aussi, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui est un battant. Ma passion, c'est la vie, je pourrais dire. Je suis un artiste. Je fais plein de trucs. Autant je fais de la musique, je fabrique des tam-tams. Je fais de la sculpture depuis que j'ai 6-7 ans. Je fais plein de choses. Puis moi aussi, j'ai eu à faire face à l'humiliation. Puis à la marginalisation aussi. La pire humiliation que j'ai vécue, je vais te faire une confidence en même temps. La pire humiliation que j'ai eue, ça a été fait par mon propre père, tu sais. Mon père était directeur de la Polytechnique de l'Université de Montréal. Sa critique était comme importante à nos yeux, parce qu'on le considérait comme le meilleur. Puis un jour, parce que mon père se saoulait tous les soirs. Les étudiants ne savaient pas le lendemain, il allait enseigner, il allait à la Polytechnique, tout ça. Mais c'était un homme qui était malade, qui avait une maladie, qui était l'alcoolisme. Puis, vers l'âge de 10-11 ans, un soir, qui n'était pas encore endormi sur la table, il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, « Toi, il dit, t'es un bon rien. Il dit, tu feras jamais rien de bon dans la vie. » Ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment troublé, là. C'est quelque chose qu'on dit pas à son enfant, tu sais. Ça a fait que je me suis marginalisé aussi, parce que je voulais pas devenir un homme comme ça. Puis un homme comme ça, bien, c'était quelqu'un qui était dans le système, puis qui était, vous comprenez? J'en suis gagnant aujourd'hui, quand même, parce que j'ai su aller au-delà de ça, j'ai su comprendre. Mon art existe encore, ma vie est devant moi encore. Je suis ici, je suis en train de parler avec vous. Je suis fier de ce que je fais. Puis je suis fier de ce que je suis. Puis pour terminer, je vais vous lire un poème. Le titre, c'est « La foi ». Humilié par des gens, humilié par des gestes, visé par des paroles, par des regards obscurs, j'étais un incompris, dans une immense solitude. Pour des choses que j'aimais,
des choses belles. La tristesse, la révolte, la rage. J'étais un enfant devenu grand, parmi des enfants restés petits. Ma paix et mon amour étaient plus forts que tout. Humilié par ceux-ci, canardé par ceux-là, ma foi, ma joie et mon pardon. La musique de mon cœur, la symphonie. Maintenant, je suis fort et au-delà des mots. Les chants de mon âme s'élèvent gracieux. Là où je suis, il n'y a plus de marge. Que des saluts et des tonnes d'hommages. C'est le velours de mes épreuves, le satin de tous mes efforts. Marginal peut-être, mais par rapport à qui? À quoi? Marginal peut-être, dans une sorte de pensée. Je suis moi et je m'aime vraiment. Ce que je fais, je me l'offre, je me le donne. Et je le partage avec vous, mes frères, dans un monde de multitudes et de panoplies. Merci, Vic Vogel. Merci, Marie. Merci beaucoup. C'est superbe. Merci. Je vous l'offre. Merci, merci, merci. Bonjour. J'entame la partie un peu plus personnelle de ma démarche. À la lecture de la biographie que tu présentes sur Vic Vogel, évidemment, on apprend à connaître un homme de musique, un homme de passion. Le lien que j'ai établi avec la biographie est que, pour ma part, la musique, à un certain moment de ma vie, m'a tué. De là ma présence en prison, d'ailleurs. Rapidement, quand j'étais jeune, j'avais un rapport plutôt contrôlant de la part de ma mère sur moi. Le seul lien qui m'unissait à ma mère, un peu comme Vic avec son père, c'était la musique. Ma mère était une chanteuse de chorale, et puis tôt dans mon enfance, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé le piano. S'en est suivi 15 années, où j'ai appris le piano classique, puis le piano était pour moi le seul lien affectif ou le vrai seul contact que j'avais avec ma mère. Donc, quand on est enfant et puis qu'on souhaite l'approbation, l'amour de ses parents, on fait tout. Donc, j'ai utilisé le piano à ce moment-là pour un peu aller chercher de cette approbation-là. J'ai eu une jeunesse assez tumultueuse. J'étais quelqu'un de curieux, donc j'étais dérangeant. Donc mes parents m'ont vite placé dans un collège privé, où j'ai été pensionnaire pendant 4 années à la Congrégation des Frères de Sainte-Croix. J'y reviendrai plus tard. Donc quand je suis arrivé au collège, évidemment que je subissais de l'abandon. J'ai vécu du rejet, une sorte de trahison qui m'avait été imposé par ma famille. Le lien que j'en fais avec le piano, c'était probablement le seul plaisir de la vie qui me restait. Je te parle de l'époque de mes 12, 13, 14 ans. Parce que j'étais un élève brillant, j'étais exempté des périodes d'études obligatoires qui étaient imposées à tous les étudiants du collège. Pendant cette période-là, j'avais accès à un local de musique où je pouvais aller jouer mon piano, pratiquer mon piano, parce que je poursuivais mes cours au privé le vendredi quand j'étais de retour à la maison après la semaine au collège. De fil en aiguille, il y a des frères, entre autres, qui venaient me visiter régulièrement dans le local de musique où je me défoulais sur mon instrument. J'étais pas le compositeur qui fait qu'on a le plaisir de te rencontrer aujourd'hui, mais je m'amusais avec ma musique, puis je me défoulais. Puis c'est ça, le frère venait me voir régulièrement, puis
ce qui a commencé comme étant à la base une forme d'approbation ou de félicitation ou d'appréciation à ma musique, ben, ça a été un appât qui a fait en sorte que j'ai subi des abus de la part de ce frère-là. Donc, à partir de ces événements-là, moi, la musique est devenue un ennemi, puisque je faisais un lien direct avec les souffrances qu'il m'avait infligées. Puis, au sortir du collège ou avant même d'avoir terminé ma secondaire, je voulais plus rien savoir du piano. Et puis, le lien déjà qui m'en unissait à ma mère, c'était devenu un instrument obligatoire. Mes amis de week-end venaient me chercher pour aller faire ce que tous les garçons de 15 ans font, jouer au baseball dans la rue, jouer au hockey. Moi, j'étais privé de ça parce que j'étais obligé à ma pratique de piano. Et puis, avec ce que j'avais subi au collège, c'était rendu mon pire ennemi maintenant. Sauf qu'avec ces événements-là ont été le déclencheur d'une période de délinquance pour moi. J'ai commencé à consommer tantôt des drogues douces, tantôt des drogues dures. Malgré tout, j'ai eu la chance de faire des études. À l'âge de 30 ans, après 15 années de délinquance, là, j'ai pris une pause. Je suis retourné à l'université. J'ai fait rapidement mon bac. Et ensuite, j'ai eu une chance d'aller en France où j'ai pu travailler sur ma maîtrise. Puis, quand je suis revenu ici, un peu comme ça m'a été rappelé dans le livre, la passion d'enseignement m'a pris. Il y a une phrase que je vais te ramener plus tard, que Vic disait qu'une connaissance, si elle n'est pas partagée, elle est inutile. J'avais envie de retransmettre aux adolescents ce qu'on m'avait volé quand j'étais à leur âge. De là ma passion pour l'enseignement. Donc, j'ai enseigné pendant 15 ans au secondaire à des jeunes qui, jour après jour, me partageaient leurs souffrances, me partageaient leurs difficultés, comme si, à travers mes blessures, il y avait un lien de communication qui s'était créé envers eux. Ils venaient me confier leurs difficultés. J'ai adoré l'enseignement. 15 années plus tard, après l'enseignement, j'ai perdu mon travail à la commission scolaire parce que j'avais fait une fausse déclaration quant à mon dossier criminel quand j'étais jeune. Donc, je me suis fait voler ma passion. Le lien que je veux faire, c'est que la musique que j'avais mis de côté, étant plus jeune, ça m'habitait encore. Je jouais, mais sans passion, jusqu'à ce que je fasse la paix avec ce passé-là, c'est-à-dire j'ai été inscrit dans un recours collectif qui a été médiatisé contre la Congrégation des Frères de Sainte-Croix. En juillet dernier, on a gagné notre cause devant les tribunaux. 285 victimes que nous étions au recours collectif, on s'est partagé 18 millions de dollars en indemnité. La première chose que je me suis acheté quand j'ai reçu le chèque des avocats, c'est un piano à queue. Et puis, dans l'histoire que j'ai lue, ça m'a touché, la passion qu'il avait pour son piano, ou pour sa musique, ou pour son art. Parce que moi, les blessures ont fait que, au contraire de Vic, qui lui a assumé cette passion-là, a assumé les choix qu'il a faits, j'ai pas fait les mêmes choix que lui. Après qu'on m'ait eu infligé ces blessures-là, j'ai fait des mauvais choix. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on se rencontre dans un centre de détention. Quoi qu'il en soit, j'ai appris de belles choses en lisant la biographie que tu nous offres, parce que il a su assumer ses choix. Il a su gérer sa passion. Il a su investir là où ça comptait, où ça valait la peine pour lui. Et puis de ça, j'en tire une belle leçon, une belle expérience de vie. En prémisse d'émission, tantôt, on parlait de la vie devant soi. Moi, la vie est encore devant moi à 51 ans. Aujourd'hui, je suis parent, je suis grand-parent.
Je suis retraité de l'enseignement, mais j'ai d'autres passions qui m'attendent. Et puis, j'ai envie de me remettre à la musique en sortant. Je me suis amusé deux week-ends sur mon piano qui m'attend à la maison. Je ne serai jamais le compositeur qu'a été Vic Vogel, mais sa passion, par exemple, réveille en moi de nouveaux défis, de nouveaux désirs. Et puis, je voulais te remercier de m'avoir permis de faire la paix avec mon passé en lisant ces quelques lignes-là. On est ce que l'on devient. Et puis, ce que j'ai appris à travers ça, c'est que beaucoup d'années encore me seront prêtées. Et puis, j'ai tout le temps de me remettre à ma passion, de me remettre à mes objectifs, et puis de faire comme celui que tu nous as présenté dans ton œuvre, d'aller de l'avant, et puis de marcher tête haute, et puis d'ignorer ce qui est derrière, mais plutôt me concentrer sur ce qui est devant, parce que c'est pas mal ce qui a tout fait. En conclusion, en tant qu'amant de littérature, j'ai toujours adoré un poème d'Émile Milligan, qui, pour lui, faisait allusion à une période de sa vie. Pour moi, j'y suis adapté à la période de ma vie qui était difficile. Et puis, pour terminer mon entretien avec toi, je vais te réciter ce poème-là, qui est « Le vaisseau d'or » de Milligan. Ce fut un grand vaisseau, taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient d'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars et chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil. Dans l'océan trompeur où chantaient les sirènes, et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Que restait-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Bonjour Marie. Salut. Ça va bien? Moi, oui. C'est Dominique. Salut. Pour moi, c'est ma première rencontre à Souverain Anonyme et j'espère bien la dernière. Demain, à même heure, ben, je vais être libéré. Puis j'ai vécu, en lisant le livre, une très bonne expérience avec la force de caractère de Vic Vogel, puis à jamais laisser tomber les bras. Malgré les downs qu'il y a eu dans le jazz, en rentrant dans des bars, il s'est fait virer des bars. Il a continué encore, il a forcé, il a réussi à se faire un band. Il a animé l'Expo 67. Moi, j'ai travaillé dans des bars, j'ai consommé de la drogue, j'ai bu de l'alcool, j'ai eu une copine, on a eu un enfant, il va avoir 3 ans bientôt. Je me bats toujours, on sort plus ensemble, mais je me bats toujours pour la garde avec le petit. Que je me demandais comment est-ce que Vanessa avait pris ça, c'est les choix qu'il avait pris dans la vie, parce qu'il avait choisi la musique par rapport à la famille. Oui, je sais pas si c'est un choix. Oui, c'est un choix, la musique. C'est surtout des circonstances qui font que Vic était plus pris par sa musique que par sa famille. Et puis, je peux pas répondre pour Vanessa, c'est sûr. Hein? Mais si Vic était là, il dirait ce qui est important, c'est de garder une fierté, hein? C'est de garder une dignité. Et puis, c'est d'aimer. On n'en parle pas beaucoup dans son livre. Hein? De on parle Vanessa? Pas de Vanessa. On parle, à part qu'on a vu qu'il y avait une photo sur son piano. Oui, oui. Mais on n'a pas eu plus d'informations sur ça. Puis moi, je suis beaucoup familial. Lui aussi, au sens où c'est la famille, c'est la convivialité, c'est les repas. Il est là, il les aime, ses enfants. Mais il était tellement pris dans son truc que c'est sûr que c'était pas le père qui était là tous les soirs. Et puis les enfants étaient peut-être plus élevés par leur mère. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rapport aujourd'hui avec lui profond et intéressant. Mais la question, c'est... Il n'y a pas eu un manque? Il y a sûrement eu un manque.
parce que il n'y a pas de conséquences à une famille qui se sépare. Il y a toujours des conséquences tristes. Pour son dire, les enfants sont matures, ils vont grandir, ils vont comprendre. On est là, papa est parti travailler, papa est parti étudier. Oui, et puis c'est aussi une question d'authenticité. Comme Vic m'a toujours dit, la vérité, c'est la vérité. Ma vérité, c'est ma vérité. Il faut être honnête avec soi. Ce qu'on peut donner, on peut le donner. Ce qu'on peut pas donner, on peut pas le donner. Lui, s'il pouvait pas aller à fond dans sa musique, il aurait pas pu être. Alors, de toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu donner? Absolument rien. Avec sa musique, au moins, il donnait une personne... sa personne complète, c'est-à-dire ce qu'il était. C'était ça, son moteur. Alors ça, c'est très complexe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Qu'est-ce qu'on décide? Comme pour son père, avec lui, moi, je pense que les parents doivent être eux-mêmes, puis de chercher à se découvrir eux aussi pour être à même de découvrir leur enfant, parce que les enfants, on les a, mais ils ne nous appartiennent pas. Les enfants, il faut qu'ils viennent à nous, pour nous dire qui ils sont, si tant est qu'ils puissent le trouver, si on leur permet. C'est ça qu'il faut. Il faut être là. Il faut être là. Et c'est tout. Le seul truc, c'est le rapport avec le cœur, à mon avis, que Vic a encore, ne serait-ce qu'en esprit ou en pensée. Ou... ça marche quand même. Hein? L'énergie est quand même là. C'est un personnage solide. Là. Il n'a jamais lâché. Jamais. Il a une force de caractère importante. Puis... je respecte ça énormément. Il a continué à jouer toute sa vie. Là, puis même aujourd'hui, je suis sûr qu'il aimerait ça sûrement être avec nous. Oui. Il est venu, j'ai entendu dire qu'il est déjà venu à Souverain Anonyme. Là. Mais je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ma question. Puis c'est une expérience qui va rester inoubliable pour moi. Merci. Et en espérant qu'on puisse se revoir à l'extérieur de ces murs au lieu d'être à l'intérieur. Je te remercie beaucoup. Bonne chance. Rebonjour Marie. Ça fait un grand plaisir de te parler. L'essentiel a été dit. Moi, je vais être très court. Comme Vic Vogel, j'aime la musique parce que la musique réveille moi des souvenirs par des accents tantôt mélancolique, triste, et par des accents tantôt sereins, et qui me rappelle que la vie est belle, qui me rappelle que la vie est toujours devant moi, et que le bonheur est un droit fondamental. Vic Vogel répétait aussi que Beethoven faisait des tunes. Moi, je ne suis pas Beethoven, moi, je suis Ben Gnawi, Ben Soussan, qui fait de la musique. La musique, c'est une façon de m'exprimer. Pour moi, la musique, c'est le langage du cœur. Des fois, j'utilise une langue que je retiens, qui m'a été inculquée de mes ancêtres. Et je vais te chanter une tune. Je la chante pour toi, pour Vic Vogel. Et je lui propose aussi de trouver des instruments pour accompagner ce que je vais chanter. Peut-être un saxophone, clarinette, je ne sais pas. Je ne vais pas montrer à M. Vic Vogel. Et je suis d'accord avec toi, Vic Vogel, ceux qui ne m'aiment pas. Bon débarras. Je suis avec mes amis les souverains anonymes. Je suis avec les amis souverains, les souverains anonymes. Nous sommes tous réunis dans ce château de renommée, et nous chantons haut et fort pour la paix, la liberté, 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 avec nos voix remplies de joie et qui réclament la vie devant soi, avec nos voix remplies de joie et qui réclament la vie devant soi. La vie devant soi. Et nous écoutons nos corps chanter la paix, la liberté,
nous écoutons nos cœurs chanter pour la paix, la liberté, 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 avec nos voix remplies de joie et qui réclament la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie devant soi. Et nous chantons haut et fort avec nos voix montées de l'abîme jusqu'aux souverains anonymes. Et si vous n'aimez pas, allez vous en. Comme il a bien dit, Vic Vogel. Et si vous n'aimez pas, allez vous en. Comme il a si bien dit, Vic, Vic, Vic Vogel. Alors là, sur ce, maintenant, je vais te montrer un autre côté, moitié gnaoui oriental, parce que aussi c'est du. Cette chanson c'est pour toi Marie et c'est pour Vic Vogel. Et je te souhaite un bon voyage. Moi je pars en voyage si tu veux venir, ça avec plaisir, tu peux m'accompagner. Moi ça fait plaisir, j'ai assez de place. La place c'est dans le cœur, j'ai assez d'espace. Je pars en voyage dans un monde merveilleux. Je pars en voyage dans un monde merveilleux. Je pars en voyage loin, loin dans les cieux. Je pars en voyage loin, loin dans les cieux. Je pars en voyage à la recherche de ce trésor. Je pars en voyage à la recherche de ce trésor. Qui est la vie, l'amour et la prospérité. Qui est la vie, l'amour et la prospérité. Je pars en voyage pour apprendre à écouter. J'en fais pas un drame. Je suis tombé en train et je suis pas un drame. Donnez-moi un tam-tam pour adoucir mon état d'âme. Donnez-moi un tam-tam pour adoucir mon état d'âme. J'ai fait de la prison, j'ai pas perdu la raison. J'ai fait de la prison, j'ai pas perdu la raison. Et je chante cette chanson avec amour et compassion. Et je chante cette chanson avec amour et compassion. Et vive la vie. Et vive l'amour, au mieux seul que mal accompagné. Et vive la vie, et vive l'amour, au mieux seul que mal accompagné. Être fidèle et spirituel, yama, c'est mon oxygène jusqu'à la fin des temps. Être fidèle et spirituel, yama, c'est mon oxygène jusqu'à la fin des temps. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Loin de ma mère, c'est tout un calvaire. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Loin de ma mère, c'est tout un calvaire. L'essentiel, c'est de contempler le ciel et voir que la terre est toujours ensoleillée. L'essentiel, c'est de remercier le ciel et voir toujours que la vie devant soi. Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur reste à jamais. Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur reste à jamais, reste à jamais. Oh, ayemo, ayemo, ki amo, we mi amo, nous mi ki est.
ما نروح وادي الروح الروح ويا ما نبان نروح وادي الروح الروح ويا ما نروح وادي الروح الروح ويا ما نبان نروح وادي الروح الروح ويا ما نروح وادي الروح الروح ويا ما نبان نروح وادي الروح الروح ويا ما نروح. Nous avons une coutume aux souverains anonymes, c'est de remettre le diplôme à toutes les invités. Toutes les rencontres se succèdent mais ne se ressemblent pas. Chaque rencontre est spéciale. Alors ça c'est pour toi, Marie. Merci beaucoup. Je vais te dire ce qui a été écrit pour toi. Merci Marie Desjardins pour ta présence et aussi pour nous avoir éclairé par la biographie de Vic Vogel, un vertueux artiste du jazz. L'art, c'est le miel de la civilisation et de la musique. Et la musique, c'est le langage de l'esprit. Aux souverains anonymes, nous célébrons la vie par la créativité, par la musique, qui est aussi le langage du cœur. La vie a été généreuse avec nous par le biais de cette rencontre et ta présence qui nous a été très utile. Merci, Marie Desjardins, de la part de tous les souverains. Le 23 janvier 2014, mille fois merci. C'est moi qui vous remercie, tout le monde. Ben, c'est à moi que revient le plaisir du mot de la fin avec toi. D'abord, un sincère merci, personnellement et au nom des autres souverains, de nous avoir permis de rencontrer une personne charmante aujourd'hui, qui nous a permis aussi de faire découvrir un être charmant aussi en la personne de Vic Vogel, monument musical au Québec, par son état d'être aussi, sa façon d'être, personnage important. Moi, j'en ai tiré une belle leçon et je pense que mes souverains aussi en ont tiré une belle leçon. Alors, merci pour ton œuvre. J'espère avoir le plaisir de relire d'autres biographies ou d'autres œuvres sous ta plume. Merci d'être venu nous visiter aujourd'hui. C'était un beau moment. Et puis, je me joins à mes confrères ici, souverains, pour te déclarer officiellement maintenant membre du Souverain Anonyme. Alors, avec Marie maintenant. Marie, elle est souverain? Anonyme! Souveraine? Anonyme! Souveraine? Anonyme! Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. هي جات قولوا معايا هي جات هاو هاو هي جات ماري ديجاردان ماري هاو هاو هي جات ماري ديجاردان ماريانا هاو هاو هي جات Marie Desjardins, Marie, mille fois merci, merci d'être venu, mille fois merci, merci d'être venu, on t'attend encore, pour une autre fois, encore, et on t'attend encore, Inch'Allah. هي جات ماري ديجاردان هي جات ماري ديجاردان Oh, the shark's cat pretty deep there and it keeps it pearly white. Just a jackknife is Mickey dear, and it keeps it out of sight. When that shark bites with his teeth there, oh yeah, scallopados.
starts to spread. Fancy gloves though, where's my key there? So there's never ever no now to trace a red. On the sidewalk, Sunday morning, lies a body, just who's in life? Someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? On the tugboat by the river going slow, it's a man bang is dripping down. Oh, the seaman just for the way, dear, let you know Mackie's back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared, dear, after drowning all of his cash. And now McKeith spins just like a sailor. Did that boy done something rash? Oh.